Good morning, everyone. It's really my honor to moderate this session, and I'm excited to see the two additional talks, which hold particular interest for me because I find the paroxysmal vaginosis disorders of great importance, and because unsolved leukodystrophies are always near and dear to my heart. I'm going to speak in English for the majority of the session, mainly because it's my professional language and because I think it may be a common language, since there are many people who are attending this symposium internationally today, as well as the French participants, but I'm happy to answer questions in French later if that's helpful. I'd like to thank Guy and Elise and Hélène and the ILA International Association for organizing these conferences every year and for remaining steadfast to their mission despite the many challenges of COVID-19. And I'm glad that despite these challenges, we can all be together today to review updates in this important field. So I'm going to talk today about Aicardi-Goutier syndrome. And I just want to start with a few disclosures and to explain that I'm going to be talking about medications that are not approved for the indication of AGS by either the FDA or the EMA, and that some of that work was supported by Eli Lilly, who makes one of those medications, baricitinib. I don't personally take any personal compensation, although I do work with our industry partners to support leukodystrophy research, because in many cases they have important drugs and therapeutics for the community. I also want to emphasize that a lot of this work was supported by AGSAA, the US-based AGS Family Foundation. I also want to thank my team. They're not speaking today, but in many ways, the work is theirs. And in particular, the work that I'm going to be describing today couldn't have been done without Dr. Sako Takanohashi, my lab manager who worked on biomarkers, Francesco Gavazzi and Laura Dang, who worked on clinical trial outcomes, and the many people who participated in supporting the clinical trial activities. So since I never know where people are starting with their information and how new they might be to AGS and the disease community, I wanted to start first with a brief reminder of what Aicardi-Goutier is. So Aicardi-Goutier is a disorder that's primarily inherited, although in some cases it can be new in an individual child, but it's always genetic. And it's important to know that it's a multi-system disorder. And in every person, the disorder can affect different organs to a variable degree. The brain is almost always affected, and it's affected in many ways, both from the perspective of damaging the blood vessels of the brain, as well as we think some injury to the individual cells. And primarily what that results in is a disorder that results in white matter injury, loss of tissue called atrophy, and also calcification. But in addition to the brain manifestations, skin findings can be quite significant. They can result in these almost blister-like lesions called chilblains, which occur primarily on the fingers, toes, and ears, but they can also result in more significant skin manifestations on the rest of the body, and even a diffuse skin inflammation called paniculitis. And sometimes the skin inflammation, particularly in the fingers and toes, can be quite destructive because it can lead to infection and problems with the underlying bone. Beyond the brain and the skin, almost every organ in the body can be affected. The endocrine system can be affected, with hypothyroidism, sometimes diabetes, and sometimes growth hormone failure. The kidneys can be affected with a lupus-like lesions in the kidneys and kidney failure. There can be bony abnormalities, both because of the spasticity and the tone problems caused by AGS, but also because of inflammation within the joints. A not insignificant proportion of patients develop glaucoma, which is a condition where fluid doesn't drain properly from inside the eye and causes increased pressure within the eye. Some patients can develop
inflammation in their bowel or get a pancreatitis. Some patients also can get inflammation in the muscles, something called myositis. A proportion of patients can have involvement of the heart, and this can cause cardiomyopathy, or can cause abnormalities of the blood vessels that go from the heart into the lungs, something called pulmonary hypertension. About 75% of children have abnormalities in their liver tests on blood work, but only about a quarter of patients have more significant liver involvement, but that can be significant sometimes. And then finally, a large proportion of patients at some point in their life will have problems with their white or red blood cells or their platelets. And it's important to understand that in many cases, we don't fully understand what causes the involvement of these many different organs. It's quite clear that the organs can be involved because of direct injury of the interferon to these tissues, but it may be that there are other factors at play, including involvement of additional antibodies in the body due to the sustained inflammatory response. So most children who present with Aicardi-Goutieres syndrome present with a picture of an overall sleepiness or altered mental status or developmental delay. They can have laboratory abnormalities on blood tests in their blood cells or in their liver findings, and they can have skin findings. Sometimes doctors are able to do extra tests like a lumbar puncture to show that there's inflammation in the brain, but many times that isn't done, at least not done at the time when that inflammation occurs. And the absence of finding that abnormality does not mean one does not have AGS, nor is it necessarily an obligatory part of testing. The ideal test would be measuring alpha interferon directly in the blood or spinal fluid, but in many cases, that's not a clinically available test. And even if where it is available on a research basis, it's not always easily accessible. It's important to check all involved genes. There are now 9, with some recent addition of 2 additional genes recently, which I'm not going to mention primarily in this talk because they've only very recently been published and we don't understand yet how commonly they're seen. It's also important to understand that not all can be seen on exome. So in particular, SAMHD1 may have deletions or duplications. And in addition, one of the new genes described by Dr. Crow's group is what's called a non-coding gene. And so it's important that if a child has a phenotype that's consistent with AGS, that the standard genetic testing has not revealed an answer, that research group be contacted to help to see if an additional cause can be identified. Importantly, all the genes that are have been identified are now known to be involved in some fashion directly in triggering the interferon response. The ones we know the most about are the first 7 that were identified. The first 5 all cause nucleic acid accumulation in some fashion, we believe. And probably the last 4 all contribute more directly to signaling the interferon pathways in various ways. The most common represented mutations remain FREX1 and RNase H2B. There's slight difference in frequency of FREX1 versus RNase H2B dependent on where one is and what founder mutations might be seen. There's a growing proportion of patients who've been identified with IFYH1 and ADAR. In many cases, those patients are slightly different than the classic AGS, and so it's to be thought that it's likely that patients will continue to be identified in this group as we expand our understanding of the type of ways that AGS can present, and therefore expand the number of patients that are detected with those mutations. And again, the less frequently, SAMHD1 or SHGC or SH2A, and then as well as the more recently described genes. It's also important to know that the natural history of AGS
can be variable. And while overall, right, patients can have a very significant difficult time with their development, that's not true for all patients. This is a developmental milestone-based graph. And so you can see the purple or blue colors are where 10 to 50% of children only acquire a specific milestone. And the warmer colors, the yellows and reds, are where more than 50% of children achieve that milestone. And you can see that overall, AGS is a severe disorder because many children, reach things like sitting and having head control, which is around 50%, but very few reach more complicated developmental milestones. But if you look by genotype, you can see that in ADAR and ISIH1 and SEMHG1, there's a large proportion of patients who reach those more complicated milestones, such as walking well or speaking, versus in TREX1 in particular, the disorder primarily remains very severe, with RNA-CH2B being a more intermediate phenotype. The new genes seem to, at least right now, be more severe, but again, there's such a small number that have been identified that that remains to be seen. It's also important to know that if you look at measuring the severity of AGS by a developmental scale, which is the AGS score, which measures how children do from the perspective of learning milestones, both from the perspective of motor milestones, fine motor control, and speech, that the majority of children have the biggest change, both good and bad, in their development in the first year or two of the disease. And that in many cases after that, there's relative stability of the disease. So as we think about a treatment onset, while it's not impossible that treatment later will improve children, it still feels most likely that children will have the greatest amount of improvement if they're treated early, and that increases the need for early identification of AGS. It's also important to know that not all patients present with a typical presentation. So while if you look in the literature and look online, most children are severely affected, it's important to know that there are a proportion of children who present after a year of life, most often with a period of time before where they have mild developmental delay or inflammatory symptoms such as unexplained fever and skin or other types of systemic inflammation. It's also important to know that there are certain patients who present with quite atypical presentations with isolated acute striatal necrosis, and that's particularly true for ADAR, isolated nerve or muscle problems, and isolated or nearly isolated blood vessel problems of the brain, particularly in SEMHG1. The overall result is that the picture of AGS is variable, and while some children present with the classic presentation with severe developmental delay and a smaller head size, there are otherwise variable presentations with children who present with much more intact cognitive and social interactions, as well as children who present with much more preserved developmental features, including features being limited to just leg involvement. It's also important to know that AGS is probably much more common than we think, and we believe it's one of the most common leukodystrophies. When we asked large testing centers in the United States to tell us how often they were diagnosing children with one of the leukodystrophies, if we asked them only based on large genetic tests, AGS was the number one. If we asked them based on genetic tests combined with other approaches, such as enzymatic testing, adrenal leukodystrophy and metachromatic leukodystrophy remain very common, but AGS was still number three. And so I think it's important to know that there is probably a large disease community out there, and that it's likely, therefore,
that we'll have sufficient patients to do robust clinical trials. It's also important to know that it's likely that the disease starts for years before, in some cases, or months before a disease develops. When we looked at samples taken at birth by using something called newborn blood spots, which is a spot of blood put on a piece of filter paper used for genetic testing at birth now in most countries, 14 of the 19 children that we had blood spots for, you could see that they had interferon activity in their blood spots at birth, including individuals who had a disease presentation that didn't start till much later, all the way up to 3 years of life. Now I'm going to talk a little bit about an effort we made to understand whether or not a molecule category called the Janus kinase inhibitors, right, could be helpful in the treatment of AGS. So thanks to the extensive work of Dr. Crowe in identifying all 9 AGS-related genes, we really are lucky in that in AGS, relative to other genes, we understand better than most cases the mechanism of disease. And we think we understand, you know, really that the common thread is this interferon production. And once that interferon is produced, that interferon then affects other cells and causes a cascade of activities within the cell that then can be deleterious or damaging to that cell. And because of that, people have tried and thought about, first of all, whether or not you could treat children with things like steroids or IVIG, which don't seem to be very effective. People have also wondered whether or not you could give patients an antibody against the interferon molecule, but that is work that has been done in lupus and has not been yet very promising, and so has not been pursued. People also wondered if for the TREX1, SAMHG1, and RSH genes, you could try to reduce the accumulation of the nucleic acids and treat patients with medications against HIV, not because the patients had HIV, but because those same medications can block the production of something called nucleic acids, or DNA and RNA. That work is still, the answer to that is still ongoing. It seems that that can block the production of interferon, but it's unclear whether or not that makes patients feel better. But overall, none of these approaches really were compelling yet in their ability to improve how patients were doing. But there is a class of very recently described medications that are called Janus kinase inhibitors. So I'm going to spend a moment explaining what Janus kinase inhibitors are. So when a cell produces interferon, this is the inside of one cell, this is the inside of another cell, this is the outside of both cells. It puts interferon into the space between and around the cells. And other cells receive that interferon molecule via a receptor called the interferon receptor. That interferon receptor opens and closes and reacts to things and sends inflammation into the cell. Because of something called a Janus kinase, which is an enzyme that sits on the inside of the interferon receptor. And this class of medication blocks that Janus kinase, meaning that even if the interferon connects with the interferon receptor, it doesn't create the cascade of interferon signaling that then can be damaging to the cell. So what that means is it doesn't block the interferon outside of the cell. It just blocks the cell from understanding the interferon and potentially from creating a feedback loop where it makes more and more inflammation and more interferon production. And so it's the hope that using these Janus kinase inhibitors, we might be able to attenuate the symptoms
seen in AGS. Now, it's important to know that that genus kinase does not belong only to the interferon receptor. It also may belong to receptors that regulate important things like how many red blood cells you make, or how much you grow, or how much your bones make thick and solid bones. And so it's likely that this class of medications will come with not insignificant side effects. It's also important to know that interferon can be important to fighting off infections. And so that if you block this approach of the cell to defend itself against infections, you may cause more severe reactions to and unregulated reactions to infections. So in order to understand whether or not this class of medications could be helpful, right, we decided to use the medication to treat children with AGS. And we didn't do it in a classic way, or maybe the best way, because we didn't do what's called a blinded study where some patients get the medication and other patients don't. We really had no idea if it was going to help, and we had access to some of the medication. And the decision was made to do something called a compassionate use approach, where everybody gets the medication, and then you do the best you can to understand how people do on the medication. It's also important to know that these studies are still fairly new. We did have patients with all the different genes that have been identified at the time, not the two new ones. And we followed, the data we're going to show, the patients are all followed for at least a year, and some as long as three. There were some patients who were very close to the disease onset, but some patients that had up to 7 or 8 years of disease, and so it's unknown whether or not we would be able to make those patients better. All the patients filled out diaries every day to tell us how they were feeling, and overall, the patients seemed to feel better while they were on the medication, so that if you look at the data from before they started the medication to after they've been on the medication for a while, children seem to be less irritable, to have fewer skin findings, and to be sleeping better. We also looked at blood levels of interferon, and overall, patients' blood levels of interferon signaling, which is not a true measure of interferon, but one of the best things we could do at the time, seemed to improve. We saw a significant improvement right away, and over time, it's not that we stopped seeing that improvement, but this is between about 3 days, and this is over much longer periods of time. And you can see, you know, where the warmer yellow and orange colors are higher scores, and where the bluer colors and greenish colors are lower scores, that overall people were more into blue and green, but sometimes if they got sick or something else happened, they could still have higher scores, sometimes even higher than before they started the treatment, because the body was still responding in some ways and could still flare intermittently. Overall, patients had skin findings that got better. It was not easy to measure because some patients, their skin was particularly bad in the winter. And for example, if they were started on medication in the summer, it might not be easy to show a difference. But here I'm showing you some specific patients where you know, they had quite significant skin problems before they were started on the treatment. And these things seemed to get better, and the children seemed, again, to feel better during the treatment period. The biggest surprise to us, and it's hard still to know if this will be able to be maintained as something stable or if this will be a transient effect, is that the children also seemed to be able to gain developmental milestones while on medication. In some cases, you can see that we had data from the months and years before people were started on the medication. You can see that some of them had declining abilities. And, you know, for the most part, we really saw patients have some degree of improvement, even if it was small. Now, some of these changes could be small, like changing in one milestone, but some change in improvement of a developmental milestone. And it's unknown to me at this point if that's really because we're changing how the brain is doing, or if it's because we're changing how the children are feeling and they're able to do more because of that, or because, for example, we're making their muscles less inflamed. And I think it'll take much more to really fully understand what that means.
But the bottom line is that before treatment, we had a number of children who were still losing milestones, some children who were gaining milestones, but to a small amount. There was a larger proportion of children who were able to gain some or more milestones. And the only child here who lost milestones during the period we were studying actually had a disease flare that resulted in them stopping briefly the medication, and it's also unclear how that might have contributed. To some degree, this improvement in milestones seemed to be related to whether or not you're able to tolerate the full dose of the medication. And so it's important to think about making sure that the medication is adequately dosed. It may also be, of course, that children who were better able to tolerate the medication were better overall, and that may be why they did better on the medication. And so these things are still going to need more study to really understand. Of course, as I explained to you, these medications can also block other things in the body. And so we worried a lot about safety parameters during the study. And we worried, for example, about whether or not you'd make people anemic, people have problems with their platelets, or people have problems with low white blood cells. And some patients did have low white blood cells during the treatment. Most of the time, that wasn't what's called clinically significant, so we could measure it on laboratory findings, but it was not thought to contribute to infection. And also, some patients did also have anemia. Most patients who were on the drug did not have low platelets, unless they had low platelets before they started the medication. But a lot did have slightly high platelets, which is a known side effect of the medication. And then finally, in adults, this medication can sometimes cause problems with the liver. And since HAS is already a disorder where there can be problems with the liver, we worried that it could cause worse problems with the liver. But if anything, the liver got better. A few rare patients had elevations in muscle enzymes after starting the medication. But again, nothing that made us need to stop the medication. It wasn't a perfectly... It was hard to know whether or not the medication might also increase risk of death. And it's important to know that while on medication, some patients died with AGS. You know, AGS is also a disorder that has an up to a 20% mortality from previous studies. And so far, we don't think that any of the deaths that occurred while on the study were directly related to the medication. But one child did have a bad infection and ultimately died, although it's not sure he died from that infection. And that child was also treated with high-dose steroids for the entirety of his life. And so it's important to know that this is a serious medication, needs to be monitored very carefully, and should not probably be used in combination with other medications, such as steroids, to treat children with AGS. It also requires somebody who understands how to monitor the medication, in particular, how to monitor any problems with the white blood count that might give rise to an increased risk of infection, and how to test people ahead of time for any infection that might make them at greater risk for using the medication. So finally, for our conclusion from this study is that baricitinib appears to be well tolerated in AGS, but it really requires very careful monitoring and may be considered in disease modification, although it's likely that over time, better, safer treatments that target the brain more directly may also be beneficial. And I'm encouraged to know that there are other research programs out there that are continuing to pursue additional and novel treatments in AGS. While we're excited about the possibility of disease-specific treatments in AGS, it's also important to know that much can be done to monitor symptoms and reduce complications in AGS right now, even without disease-specific treatments. And coming back to this concept that the whole body can be affected in AGS, it's important for children with AGS to have yearly eye examinations with glaucoma testing, to have a yearly MRI and MRA if they have CMHG1, to have at least a yearly CBC or more often if there's a history of any abnormalities, of blood count difficulties,
to have at least yearly liver testing and to be referred to a specialist if there's any evidence of liver abnormalities, to check the urine at least yearly to make sure that there's no evidence of protein and other things that would suggest that the kidneys are struggling with AGS, to check yearly for the thyroid function, and also to check if there are symptoms that are provocative for things like diabetes. We also recommend a yearly echocardiogram and EKG in the hands of a cardiologist who understands the potential complications of AGS, and then regular neurologic exams, also to look at the complications of AGS, including myopathy, neuropathy, and the complication of spasticity. Parents should do a daily skin review to make sure there's no skin lesions that might get infected or cause ulcerations and damage, and avoid cold and pressure to the skin. And then also importantly, it's important to have more regular than typical children dental evaluations, if at all possible, because some children have gingival or gum inflammation that can cause a tooth loss. So in conclusion, AGS is a variable disease affecting lots of organs in different ways in different persons. Baricitinib and other Janus kinase inhibitors may be effective in disease modification in GAs, and also offers proof of principle that the disease is a treatable disorder and that other treatments over time may be used to improve the health complications and the lifespan of children with AGS. If you're going to treat with a medication like baricitinib, that really needs to be enhanced, that are used to these medications, and on our team, we involve an immunologist and an infectious disease doctor in almost all the patients who are treated to make sure that, have the full expertise to make sure that we reduce complications. And then in addition to targeted treatments, disease monitoring for complications will continue to be very important to health. And I'm happy to take any questions. That concludes the formal part of my presentation. Thank you. If you want to invite everyone to ask a question by raising their hand. Yeah. I'm not sure I can see when people are raising their hands, but I'll leave it to you to to call on people. So if anyone, we'll actually take the questions right now for Dr. Van de Veer. If in the audience people would like to raise their hand, we will give you the opportunity to ask your question. I don't see any. I will answer one question that's in the Q&A written boxes. I'm going to say it in English. The question is, are children who have AGF, right, able to benefit from cerebral stimulation? So there are different approaches to do things like transcerebral magnetic stimulation and other approaches. I have to say that this has not been tested systematically in AGF, and so it's unclear at this point if that may benefit things like the dystonia that can be seen in AGS and can be very problematic to treat. And so I unfortunately don't have a really satisfactory answer, but it's overall a fairly safe a treatment. If the question is related actually to deep brain stimulation, it's unclear to me if the degree of damage that is seen in the basal ganglia in AGS would permit true deep brain stimulation like we might see when only a certain populations of cells are affected. So I think there are different kinds of cerebral stimulation. So I hope I answered the question that was intended. Someone asked a question about understanding the value of compassionate use trials that are not based on a placebo trial. So it's for the families that might not be as used to understanding how pharmaceutical companies and scientists design
clinical trials. You can either design a clinical trial so that one group of patients receives the medication and another group of medication patients does not receive the medication. That's called a blinded trial. That has significant advantages because it allows to really have a convincing argument that the medication works, right? It's challenging to do this in AGS in some fashion because A, the population of patients is very variable, so you're not always sure that your untreated patients would be exactly the same as your treated patients anyways. And then the other thing too is that if you think a therapy may work, you know, in AGS, if you wait, it may be that the disease has progressed and you're not able to go back in time and repair injury that has occurred. I'm sorry about my dog who's complaining on the other side of the door. If you can hear it, I apologize. so that's why we decided to do the expanded access protocol where everybody got medication, but that may not be the right design in all cases. A parent is asking if children with AGS are smaller than others because of a delay in growth. And yes, we do think that that is the case. Overall, our patients with AGS are smaller, and we're currently studying whether or not that is accompanied by a change in growth hormone or is really because just the inflammation causes barriers to their growth for other reasons than growth hormone. Someone's asking the coordination that's in place with physicians in France. We've shared all our results, obviously, with doctors at Necker and also Yannick Krau. But there are no concerted clinical trials being performed. You know, there's no multi-center clinical trials right now, in part because, you know, right when we might have thought of doing some of those things, COVID happened. Which makes it very difficult to decide whether or not it would be possible to do a multi-center trial. There's a question asked, I think, in Spanish or Portuguese. I think what the question is does the abrupt stop of baricitinib provoke cytopenias or symptoms? Yes. There is some suggestion that stopping the medication abruptly may make things worse, both from a neurologic perspective and from the perspective of creating increased inflammation that can then cause more problems with blood cells. It's important not to stop the medication abruptly, but to do so in a controlled fashion at the hands of an expert physician. I don't have any evidence about the use of salicylic acid in RNase-H2B and cannot recommend it at this point. I want to explain that the interferon levels decreased after treatment, but then did not, it's not really that they increased again, it's just intermittently they were still high, right? So it's as if you have a thermometer and your interferon level is set at a certain level, you decrease it when you treat, but then you can still have spikes up and down. If, for example, somebody gets the flu or another infection, it can still go up quite a bit. And so we think that it's just the fluctuation that happens. So it's sort of like you have a wavering amount here, then you reset to a lower amount, but you still have wavering. I think those are all the questions right now. Yes, there is no raised hand right now. If anyone wants to ask a question orally, please raise your hand. There is no more question. Okay. Is it okay if I go ahead and introduce Mark then? Okay. So it's my pleasure now, we're going to shift to a different group of disorders, the Zellweger spectrum of disorders, and it's my pleasure to introduce Mark Englund, who's going to speak to us
about his experience with a group of disorders that is also called proxysomal biogenesis disorders. It's a group of disorders that comes under many names, as I'm sure Mark will explain. And I look forward to his talk. Thank you. Thank you very much, Adeline, for the introduction. And thank you, Ayla, for giving me the opportunity to present on this group of disorders. I will try to share my screen now. So I hope you can all see the presentation. Yes, absolutely. Excellent. Well, let's hope that is still the case when I put it in presentation mode. Still okay? Mark, I think you need to flip your screen because it shows the presentation mode not there. Perfect. Like this? Yes. Excellent. Okay. Well, like Adeline said, I will be focusing on a specific group of peroxisomal biogenesis disorders, the group we call Zellweger spectrum disorders. And unfortunately, the last few years, there's no radical new curative treatments. So I thought I'd give an overview, because even though Zellweger spectrum disorders are not curable at this point, there's a lot of potential complications that can be treated. And there is a lot of benefit to be gained for these patients from systematic follow-up and monitoring of complications. So I thought I would focus on that. To introduce, because I don't know exactly who my audience is, I decided to start with a brief biochemical background to introduce the disorder, then briefly go over the clinical features, and then go into more detail on current practices for follow-up and supportive care. So peroxisomal biogenesis disorders are, as is clear from the name, disorders that are caused by a defect in the peroxisome. And peroxisomes are subcellular organelles that were discovered already in the 1950s. And then quickly forgotten again. They were considered uninteresting and unimportant until it was discovered that they actually play an important role in human disease. They were implicated in human disease, I wrote in the 50s, but in the 1970s. And since that time, it has very rapidly become clear that peroxisomes have dozens of functions in both breaking down metabolites and also in synthesizing complex molecules. And in this diagram, there are some of those processes highlighted. So peroxisomes are important in degrading some types of fatty acids, the so-called very long chain fatty acids, but also branched chain fatty acids. They're important in several steps in bile acid synthesis, and they're also important in creating some complex lipids like plasmalogens. So you can, the defects in these organelles cause a lot of symptoms, and most of these symptoms are neurological, but as we will see a little later, also other organ systems can be affected. So there's dozens of peroxisomal diseases, and generally they are classified as either a single peroxisomal enzyme deficiencies, in case there is one specific process that is disrupted, or peroxisome biogenesis disorders if there are many peroxisomal functions affected, or more commonly, no functional peroxisomes present. And that is the group of the Zellweger spectrum disorders on which we will focus. It's a very heterogeneous group. Zellweger spectrum disorders are caused by defects in a group of proteins called the peroxins that are coded by 13 different PEX genes. And although they are all very different proteins, they have in common that they are involved either in the formation of peroxisomes or in the import of specific proteins into the peroxisomal matrix. And a defect in one of these
X genes causes disruption of that process and dysfunctional peroxisomes. And if you, the little greenish immunofluorescence images of human skin fibroblasts show on the left image the punctate pattern. So this is a peroxisome that is colored by catalase staining, and you can see that there's hundreds in a single cell. And the cell in the image, the fibroblast in the image next to the punctate image, is a cell from somebody with Zellweger spectrum disorder, and there's no punctate pattern. The catalase is everywhere because there are no peroxisomes formed because of the defect in one of the PEX genes. So, as you can imagine, there's lots of biochemical processes that do not function anymore. So there's lots of parameters that you can measure in plasma or sometimes in urine or in fibroblasts to confirm the diagnosis. There's lots of metabolites that go up or down. But how does it affect people? What kind of disease does it cause? Well, as is usual, the most severe forms of a disease are the ones that are described the earliest. So in the 60s, the so-called Zellweger syndrome was described as a very severe disease that affected infants, had severe liver problems, brain abnormalities, severe hypotonia and feeding difficulties, and would generally not live beyond the first year of life. This became known as the Zellweger syndrome, and it took another 10 years before it was recognized that it was a peroxisomal disorder, and it kickstarted this field. And Zellweger syndrome is usually, it's often not a leukodystrophy per se. What the severely affected people with Zellweger have is generally abnormalities of brain structure. And you can see here around the arrows that the brain cortex is very hobbly, that it's called polymicrogyria. That's a developmental disorder that is typical for many disorders, but also Zellweger, as is illustrated here. So there's, instead of the normal gyrate pattern, there's small abnormally formed gyri called polymicrogyria. And this is something that can suggest the diagnosis, but it's definitely not specific, but it shows that it is a very severe disorder that affects the central nervous system also. And clinically, a typical case of Zellweger would be a small child who has a very low muscle tone, a really floppy infant. And this is what is drawn here, a very large fontanelle. That is the typical picture. But, you know, as time progresses, it is usually recognized that a disease is a spectrum, and also Zellweger. These pictures are children that have a disorder that is biochemically and genetically often not distinguishable from those people who are severely affected. And they all have the same biochemical defect, but are much, much more mildly affected. So that is why in the 1980s, there were continuously new diseases being discovered, what they called neonatal adrenoleukodystrophy or infantile RAFSM. And now we all call that Zellweger spectrum, because they are not distinct disorders. They are just more severe or less severe manifestations of the same biochemical and genetic defect. And this distinction is no longer useful, because there is no clear distinction possible based on genetics or biochemistry. So now we usually refer to this group of disorders as a Zellweger spectrum disorder. And that is exactly what it is. Basically, everybody with a Zellweger spectrum disorder has a sensory neural hearing deficit, has usually retinal abnormalities and enamel problems, teeth problems. And that is usually a cardinal symptom that everybody has. But otherwise,
for instance, the degree of developmental delay. Oh, excuse me. I hope I can still switch back. Yeah. But the degree of developmental delay, the degree of intellectual impairment, the degree of liver failure or other neurological problems are highly variable. And generally, you can say that prognosis is highly determined by age of presentation. The very severe, originally described Zellweger syndrome with the neonatal presentation with brain abnormalities, with seizures, with severe hypotonia, feeding difficulty, usually pretty severe liver failure, is something that has a poor prognosis. And these infants usually still die within 1 or 2 years, even with supportive care. But now most of the people we follow present either in childhood with a mild developmental delay, or sometimes even in adolescence with primarily sensory neural hearing deficits and otherwise very subtle abnormalities. And these people stay sometimes function rather well even. We have one Zellweger patient with a PEX1 mutation who has just finished college. And she has a normal cognition, hardly any liver problems, and only the ocular abnormalities and the hearing deficit. So that is rare, but it is that just to illustrate how broad the spectrum has become over the decades. But as you can see, I'm not going to list all of them. A lot of problems can occur, but not everything occurs in all patients. So to summarize, the prognosis depends on the severity, and a good proxy for that is age of presentation. Generally, the earlier somebody presents with symptoms, the more severe the disease is. But it is still, by definition, a progressive disease. But it can be very slow over many decades and with years and years of apparent stability. So once you suspect the diagnosis, like we said, it can be easily confirmed by checking all the peroxisomal metabolites in plasma or urine, like very long chain fatty acids or phytanic acids or whatever, or more modern by just going for mutation analysis for the PEX genes. There are gene panels for that. But then again, more and more with what is happening in modern practice now, because of the whole exome sequencing in which enormous amounts of genes can be analyzed. Nowadays, we get patients with a much earlier diagnosis in which the clinician never really suspected the disorder, but it is just picked up. And this is also something that contributes to the widening of the spectrum. And also in the United States, where they screen now for X-linked adrenoleukodystrophy, a Zellweger spectrum disorder can be an accidental finding because they share the increased very long chain fatty acids. And well, speaking of Aicardi-Goutieres syndrome, they are sometimes also picked up by the newborn screening for adrenoleukodystrophy because of increased very long chain fatty acids. And the mechanism, I don't know, but okay, and sometimes when you get a diagnosis by whole exome sequencing and the clinical features are kind of uncertain, you need functional testing in skin fibroblasts to really confirm the fact that the variants found are really pathogenic. So once you have the diagnosis, we do think that follow-up in a specialized multidisciplinary clinic has advantages. Not only for research, because you can learn from experience from a rare disease group, but also because you become more adept at monitoring for specific complications. You learn what works in for supportive care for a specific group. And also more and more, it becomes important to plan long-term care, because most of the children we see with Zellweger spectrum disease now reach adulthood or even late adulthood. So there needs to be a plan for transitioning them to adult care. And many internal medicine specialists are, at least here, not very enthusiastic about these complicated patients. So it's also good to think about starting an adult clinic for these groups.
And what we generally recommend is that for children under 12, we see them twice a year, and adolescents and adults, we switch to once a year, or some people who do really well once every 2 years. So what are important things to monitor for? Well, because people with Zeldegger spectrum generally lack functional bile acids, there's a malabsorption for fat-soluble vitamins, and they can have pretty severe fat-soluble vitamin deficiencies. And of course, vitamin D and E and A can cause long-term complications, but especially severe vitamin K deficiency, of course, can cause a bleeding disorder that sometimes happens in infants with a severe Zellweger syndrome the disorder. So it is really important that you manage, that you follow up, and if necessary, that you provide suppletion. And for vitamin K, most of our patients require really, really high levels, sometimes several milligrams a day, to have acceptable clotting function. So that is something that that you can do to prevent severe morbidity. Well, dietary management, when I started a few years ago, everybody got DHA and other essential fatty acids and was on a phytanic acid restricted diet. Nowadays, we think that is actually not necessary, because strangely enough, phytanic acid never reaches the levels that you see in Zellweger syndrome, in Refsum disease. And then people get really toxic levels in the hundreds of micromolars. And can get complications, but for the most Zellwegers, it stays way under 30 or 40 micromoles per liter, and it's generally not worth getting starting a severely restricted diet. So we generally tend to let it go and check it once every 2 years. And for more severely affected patients, there's usually the problem that it's difficult to get them to grow well and to have adequate food intake. And most severe affected patients that present within the first 2 years of life require a gastrostomy tube. This is kind of a thing that it turns out that many Zellweger spectrum patients, about one in three, we estimate, develop adrenal failure. And of course, adrenal failure is something that is that can give very aspecific symptoms, especially early on, of malaise or unexplained hospitalizations for dehydration with mild infections, and can go undiagnosed for months or years, and are very easily treatable with hormone suppletion. So we generally advise people with Zellweger spectrum disorder to be tested every year to be on top of that. And the funny thing is, actually, this was already described in 1984 as an issue. But it was kind of forgotten, this report from 1984 actually already had all the right data, but it kind of lost the focus. But now that we realize that it's something that you really need to check in your patients, especially the more severely affected patients that cannot express the complaints they have, generally tend to walk around with this for years. Another thing that can be a problem is the oxalate excretion and kidney stones. So for that, we do ultrasounds, and sometimes you need to acidify the urine to try to prevent that. That is something that we can unfortunately not treat yet, but liver cirrhosis does develop, especially in the younger patients. And that is something that requires monitoring. And also, we think that all patients with cirrhosis are at risk for hepatocellular carcinoma. And in our adult patients, we tend to screen quite often. Well, it is sometimes considered a leukodystrophy. I have to say that in about the 50 patients with Zellweger, pediatric and adult, that we know, it's a minority that has a clear leukodystrophy, but it does occur, and it tends to occur later in life.
And when it does occur, it can be quite severe, as these images illustrate. And kind of typical are the cerebellar lesions around the dentate nuclei and the cerebellar pedunculi that are pretty typical. And usually when it occurs, it tends to be rather progressive. We don't do MRI scans every year for this group, also because for large percentage of our population that has a severe developmental delay, we would need sedation for that. But we do consider it when people show deterioration of cognitive decline or loss of motor skills, then we tend to scan. And then generally we either find a leukodystrophy or profound atrophy. One part of management that's a little more controversial is the suppletion of cholic acid. Because the peroxisomal defect, the bile acid intermediates tend to accumulate, THCA and DHCA. And these bile acid intermediates are considered toxic. So the idea is if you supply bile acids like cholic acids, due to a feedback loop, you shut down the bile acid synthesis and you can reduce those intermediates to undetectable levels. Well, that has been shown quite conclusively that the biochemical effect you can achieve with usually minor or no serious side effects, except in those with severe liver failure. The only thing that is kind of unclear is whether it really offers clinical benefits, and that is still unresolved. That is something that needs to be determined in the next few years, whether that should be part of routine management or not. So to summarize, for these people, it really helps to start a specialized clinic, and then preferably have a nurse to plan this, because it's logistically more complicated to make sure that every patient can see the specialists that are required and can undergo the tests once or two times a year at the same day. And who the physician case manager is kind of depends on your local settings. In Amsterdam, it's a neurologist or pediatric neurologist, but it can also be a metabolic specialist, pediatric or adult. And then for specific patients, you need to see whether you need a gastroenterologist or ophthalmologist or hematologist, depending on what symptoms are causing problems at the time. And also, it's good to have a team that either sees pediatric and adult patients or create a separate team for adults, because basically now we have more adult than pediatric patients at this time. So to conclude, unfortunately, there is no curative therapy yet, but there are a lot of complications you can monitor and treat to improve quality of life for this group of patients. If there is ever going to be a trial, we will need more than all the individual centers. So it's important that we, as an international community, we know each other and can collaborate in the future when needed. So thank you for your attention. And if there are specific questions, I will do my best to answer them. So if anyone would like to raise their hand and ask a question, now would be the time to do so. There's no raised hands yet. I don't see any questions in the chat either. Oh, there is one. So, one second. There you go. Hi, Mark. It's Karen Harrison here from Alex TLC. Hello. Thank you so much. That was such an interesting presentation. I just have a
kind of quick question about around newborn screening, because as we know, the newborn screening for ALD also picks up Zellwegers. Right. Personally, I think that's a good thing because it, you know, can make sure that the families receive the correct sort of supportive care. It also can aid with early identification of adrenal problems. And I just wondered what your thoughts on that work, as you've got your pilot going. Have you found any Zellweger's patients yet? Or? Oh, yeah, okay. Yeah, well, thank you for that question. I agree with you. I think it would benefit people if they were picked up by newborn screening, because now you usually see that that diagnosis still takes a little bit of time. People get complications while they wait for a diagnosis. So I thought that it would also be beneficial. But in our newborn screening program, they are not reported, because when somebody has increased very long chain fatty acids, there's a next tier for ABCD1 mutation analysis. And only those that have increased very long chain fatty acids and an ABCD1 mutation are reported. So all kinds of accidental findings are filtered out. But in some parts of the United States, they report the increased very long chain fatty acids, which leads to a referral and a diagnostic process. So for us, we will not have accidental findings, but the Americans do. And personally, I would also like to find Zellwegers with the newborn screening. So I'm not sure how the UK is going to do it, but that's how it's organized here. Okay, anyone would like to ask a question? May I ask a question? This is Abby Vandiver. Do you, I know that the prodromal biogenesis disorders are more challenged than most because of the many different genes that can cause sort of a fairly uniform trunk of clinical disorders. And as such, I think it's more challenging than some of the other leukodystrophies to harness some of the genomic therapies and oligonucleotide therapies that people are starting to sort of explore in some of the leukodystrophies that have a more common genetic trunk. Do you think there's feasibility for potential sort of understanding of some downstream process or unifying molecular process that might be amenable to a more comprehensive molecular therapy? Or do you think that that's going to need to wait for a stage where we have such personalization of genetic therapy that we'll be able to tackle the 27 or so different PEX genes that can contribute to this phenotype? Does that make sense of the question? I think it'd be nice for the families to understand why maybe some of the advances that are being seen on molecular, you know, genomic therapies in other leukodystrophies might not be feasible in proximal biogenesis. Does my question make sense, Mark? No, it does make sense, and we've discussed that too. See, the difficult thing is that the Zellweger spectrum is from a research perspective really, really even more difficult, and it is several reasons, most of them you outlined already. Clinically, it's incredibly heterogeneous, maybe even more than the other disorders. Then there's the problem that, as you pointed out, it's genetically also very heterogeneous, and it is more rare than some of the other groups we have. So, for instance, you end up with three people with PEX 27, 10 with PEX 1, a few with etc. And within those groups, some of them walk around and talk, and others are in a wheelchair. So, even if you have a compound that you would like to test, it's, for me, it's almost impossible to think of how your clinical trial would then look, because it's so difficult to measure outcomes. In some other diseases that are much more predictable, for instance, progressive myelopathy, you can start thinking on how to measure disease severity and how to modify it. And for Zellweger, it's so much more difficult. So yeah, I think that for
the reasons you mentioned and the other reasons, it's going to be very difficult to make progress in the next couple of years. Yeah, and I mentioned it in part because I know that ELA and its community always looks for sort of gaps in, you know, future gaps in therapy and disparities, you know, within the Lutheran community. And I think this is going to be an important one, because although while I agree that individually these different genes may be rare, they represent overall, with all the different genes, a not insignificant proportion of patients with, you know, so they're actually as a group, there are not insignificant disease group that will continue to need. No, but with really challenges compared to sort of a more straightforward, genetically at least straightforward condition like, you know, MLD or something like that. So I think it's going to be an important thing to keep an eye on. And I say that as a non-proxosomal researcher, right? But I mean, when I think about you and Nancy Braverman and others who are trying to tackle this important disease group, it's not going to be for the faint-hearted. No, you're right. But maybe this... maybe now we should really start an international registry for Zellweger also. I think. And things like the take-home message for me. Thank you. Yeah, and I think things like LeukoConnect, you know, will obviously be helpful. But you know, within GLIA, CTN, which is sort of a more U.S. somewhat U.S. centric, but not totally U.S. centric, we also have a not insignificant number. Mm-hmm. Of patients with this class of diseases, and so I think it'll be an important problem to start trying to tackle. Agreed. Yeah. Okay. Thank you. I think that was the last question. Maybe. Okay. Then thank you very much, and I'll clear. Thank you. So, go ahead. Do we want to put the main slide back up? You're going straight to, okay. So, I think at this point, we're going to transition to the unsolved leukodystrophies. François, sorry, I'm supposed to be moderating, so I'm trying to do my job of doing so. So we're going to transition to the unsolved. Pas de souci. With Françoise providing us with some information about unsolved leukodystrophies and genetics. Bonjour à tous, merci beaucoup Adeline pour l'introduction. Donc moi, ma présentation là aujourd'hui par rapport à Adeline et Marc, c'est vraiment quelque chose de plus général. Et je pense dans l'objectif de ce qu'elle m'a demandé, c'est plus de faire quelque chose aussi, de représenter un peu la génétique, comment on peut rechercher les maladies, qu'est-ce que ça implique, peut-être aussi pour les nouvelles familles rejoignant ELA. Alors, je ne sais pas, Hélène, Élise, vous allez dire si c'est possible. Moi, comme j'ai quelque chose peut-être de plus interactif, si des gens ont des questions au fur et à mesure, surtout n'hésitez pas à lever la main et éventuellement à m'interrompre au fil de la présentation s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou sur lesquelles vous vouliez un petit peu plus de questions. C'est noté, on te passera les personnes qui lèveront la main. Parfait. Merci. Je pense que ce sera un peu plus interactif, comme ce n'est pas des résultats scientifiques, c'est plus de la présentation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Françoise Piguet. Je travaille à l'Institut du cerveau à Paris, au sein de l'unité NeuroGenCell avec Nathalie Cartier, et sur les leucodystrophies principalement, plus sur la leucodystrophie métachromatique, avec des approches de thérapie génique. Donc, pour revenir aux maladies génétiques, juste quelques petits chiffres clés, parce qu'on a souvent tendance à dire aux gens les maladies génétiques, c'est des maladies rares, ça concerne peu de monde. Je pense que c'est assez important, enfin, c'est ce que j'aime bien rappeler aussi à mes étudiants quand je les ai. Il y a quand même 6 à 8 000 maladies génétiques rares. C'est 3 millions de personnes concernées en France, 30 millions en Europe.
Et surtout, si on fait une moyenne générale sur personnes concernées par une maladie rare, c'est une personne sur 20 et 50% des malades ont moins de 19 ans. Donc, ça reste des chiffres très importants. Donc, pour repartir et arriver à ce concept de maladie génétique, je pense qu'il faut repartir. On est un organisme. Cet organisme, il est formé de différents organes. Chacun des organes formé de tissus particuliers. Et au sein de ce tissu, c'est un assemblement de cellules avec son noyau. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10 000 milliards de cellules dans un corps humain. Et c'est parce que justement, ces cellules savent très bien comment elles doivent s'assembler, comment elles doivent s'organiser dans un tissu particulier pour former, par exemple, un cœur ou un cerveau, que notre organisme va bien fonctionner. Et si on vient zoomer encore un petit peu plus loin, au sein de ce noyau, on va retrouver l'ADN avec l'information génétique. L'analogie que j'aime bien faire, surtout quand je parle de génome et d'ADN aux plus jeunes, c'est le génome, notre ADN, c'est comme un livre. C'est une encyclopédie très précieuse qui donne un mode d'emploi. Les chromosomes, ça va former des chapitres de ce livre. Un chapitre est formé de phrases. Ici, ce sont les gènes. Les phrases de mots, ce sont les codons. Et au sein de l'ADN, on a un alphabet qui est beaucoup plus simple que notre alphabet de la langue française ou des différentes langues, qui n'est formé que de 4 lettres, le A, le T, le G et le C. Et ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on a, puisqu'on va avoir un appariement en double brin, et le C ne peut s'apparier qu'avec le G et le A avec le T. Et c'est quelque chose, on pense souvent à l'infiniment petit. Il faut savoir que notre corps humain, il est composé de 60 000 milliards de cellules et que chacune de ces cellules comprend l'intégralité du génome humain. Et c'est à peu près 2 mètres d'ADN, 3,2 milliards de paires de bases. Et souvent, quand on y pense, si on mettait bout à bout l'ADN de toutes nos cellules de ce corps humain, on pourrait couvrir 300 fois aller-retour la distance entre la Terre et la Lune. Et c'est grâce à cette information génétique que chaque cellule va savoir exactement ce qu'elle doit faire. Ici, vous avez un embryon au stade 8 cellules, où chaque cellule est encore pluripotente et capable de donner tout type de cellules. Mais ensuite, grâce à l'information génétique, chaque cellule va pouvoir avoir ce qu'on appelle une différenciation cellulaire et donner par exemple un globule rouge ou un neurone. Avec à chaque fois, du fait de cette différenciation cellulaire, une fonction bien particulière et des capacités bien particulières. Alors, cet ADN, c'est un peu comme un mode d'emploi. Il faut imaginer, donc j'ai pris quelque chose, je n'ai pas voulu vous montrer quelque chose de trop simple, on va imaginer que notre ADN, il nous permet de construire un Airbus A380. Et en fait, le génome, il nous donne l'ensemble des notices pour former toutes les parties, aussi bien la partie externe de l'avion que toutes les parties intérieures, que la partie électronique, tout ce qui va permettre de fonctionner. Et cet organisme, c'est l'ensemble des molécules qui nous composent. L'ADN, il vient d'où ? À la base, on a l'information génétique qui vient du père, qui est au sein du spermatozoïde, et l'information génétique qui vient de la maman au sein de l'ovule. Pendant quelques secondes après la fécondation, on garde ces deux informations génétiques séparées et très rapidement, ces deux informations génétiques vont venir se mixer pour former une nouvelle information génétique unique qui va former ce nouvel être qui va se développer. Et on est au stade de la cellule œuf qui va pouvoir ensuite se développer en 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, puis en fœtus. Il faut savoir que les gènes, ça code absolument tout. Le premier exemple qui est peut-être le plus simple que je vais vous prendre, c'est la couleur des yeux. La couleur des yeux, on imagine qu'on a un allèle grand B qui va donner la couleur brune et un allèle petit b qui va donner la couleur bleue. La maman, elle va être petit b grand B. Le papa, petit b grand B. Ce qui veut dire que dans les gamètes, maman va pouvoir transmettre petit b ou grand B, papa, petit b ou grand B. Ce qui va donner 4 combinaisons, je ne vais pas dire uniques, mais différentes possibles de chromosomes, soit grand B, grand B. Dans ce cas-là, on aura les yeux bruns.
soit grand B, petit B, le grand B venant de la maman, le petit du papa, ou bien petit B venant de la maman et grand B venant du papa, ça va résulter exactement au même phénotype, puisque dans ce cas-là, on va dire que l'allèle grand B est dominant sur l'allèle bleu, petit B, et on aura des yeux marrons. Ou dans le quatrième cas, un allèle petit B du papa, un petit B de la maman, et un enfant qui aura les yeux bleus. Donc, on peut très bien avoir les yeux bleus, même si papa et maman ont les yeux bruns. Situation un peu plus complexe, puisqu'on n'a pas forcément que deux allèles pour un gène. On rajoute le grand V qui va être le vert. Donc, maman, petit B, grand B, deux possibilités. Papa, grand V, petit B. Grand V, grand B, pardon. Ce qui va donner quatre combinaisons, cette fois-ci uniques. Grand B, toujours marron. Grand B, mais avec le brun qui domine sur le vert et donne des yeux marrons. Petit B, grand B, des yeux marrons. Ou petit B, grand V, et dans ce cas-là, c'est le vert qui domine sur le bleu et on a des yeux verts. Donc là, j'ai pris un exemple très simple des yeux, mais il faut imaginer que ça va marcher pareil avec des allèles, certains dominants, certains récessifs, pour tous les gènes de l'organisme, qui viennent de papa, de maman, et qui donnent une combinaison unique dans le futur embryon. On a la même chose pour fille ou garçon. Fille ou garçon étant venant des chromosomes sexuels qu'on appelle X ou Y, la maman est XX, le papa est X ou Y, donc on va avoir soit un petit garçon, ce sera XY, ou soit une petite fille, XX. Comment maintenant on va aller passer de ce gène à la protéine. Donc, le gène, c'est l'ADN. Les protéines, c'est la version finale de l'information qu'on va retrouver dans nos cellules. Et on a un intermédiaire qui s'appelle l'ARN messager, que j'aime bien présenter un peu comme une copie. Souvent, je dis l'ADN, c'est une espèce d'encyclopédie, c'est un livre très précieux. Et pour venir travailler dessus, c'est comme à la bibliothèque, on ne vous laisse jamais emprunter des livres très précieux. On vous demande de faire une photocopie où vous pourrez partir avec à la maison et travailler dessus. Et bien, l'ARN messager, c'est à peu près pareil. C'est une copie conforme de l'ADN qui va ensuite permettre, via la traduction, de former les protéines. Je vous ai mis un petit film. Enroulé sur de grosses protéines de structure. Approchons-nous encore. Enfin, l'ADN, sur les molécules d'ADN, la célèbre double hélice constituée de deux brins formés par des centaines de millions de petites molécules désignées par quatre lettres ATCG, adénine, thymine, cytosine, guanine, les nucléotides. Toujours associés par paires, les A toujours avec les T, les C toujours avec les G. Le plan de fabrication de notre protéine est inscrit là, sur une portion de ce brin d'ADN. Autrement dit, un gène qu'il va falloir copier. C'est le rôle de ces nucléotides qui flottent tout autour. Il faut commencer par séparer les deux brins. C'est cette grosse protéine, la polymérase, qui ouvre l'ADN. Les nucléotides flottants vont former un nouveau brin, en prenant l'empreinte d'un des brins de l'ADN existant. Une copie se forme, là, sous vos yeux. Mais comment ? Eh bien, sur chaque G du brin à copier, vient se placer son nucléotide complémentaire, C. Sur chaque T, son A. Sur chaque C, son G. Seule différence, sur le nouveau brin qui se forme, le T de thymine est remplacé par un U pour uracile. Ainsi, par complémentarité, se crée un nouveau brin. C'est l'ARN messager. Il se replie sur lui-même. Puis il se débarrasse de certaines séquences en formant des boucles qu'il rejette. Le plan de fabrication se précise. L'ARN messager quitte le noyau de la cellule. Il arrive dans le cytoplasme. Et là,
Il est attiré par un ribosome, un système de décodage. Des acides aminés, associés à des ARN de transfert, flottent tout autour. Ils vont venir lire l'information génétique sur l'ARN messager par groupe de 3 nucléotides. Lorsque les ARN de transfert décodent l'ARN messager, les acides aminés se détachent et s'associent entre eux. Ils forment une chaîne qui sort du ribosome. Petit à petit, la chaîne s'enroule. C'est la naissance d'une protéine. Grâce à ce mécanisme, reproduit à des milliers de milliards d'exemplaires, nous produisons à chaque instant toutes les protéines indispensables à la vie. D'ADN. Voilà. Donc, pour illustrer ce qu'on vient de voir, vous avez vu que viennent s'apparier 3 par 3 sur l'ARN et ça correspond à un unique nucléotide. Pour un unique acide aminé. Et pour former cet acide aminé, on a ce qu'on appelle un code génétique avec quelle lettre est en première position, la lettre en deuxième position, la lettre en troisième position. Et vous voyez qu'il y a des fois, si on a un C, un T, peu importe qu'on ait T, C, A ou G en dernier, on aura toujours, par exemple, une leucine. Et ça, c'est quelque chose de très important puisqu'on va venir parler après des mutations. Il faut imaginer qu'en permanence, il peut y avoir des mutations au sein de notre ADN. Mais ce qui veut dire que si, par exemple, la mutation arrive sur la lettre qui est en troisième position, peu importe le changement qu'il va y avoir, on gardera le même acide aminé. Et ça, c'est très important parce qu'en termes d'effet, ça veut dire que cette mutation sera silencieuse. Si, par contre, on peut avoir une mutation qui va faire qu'on change d'acide aminé avec un acide aminé très proche, ça n'aura pas beaucoup d'effet, ou un acide aminé très différent, dans ce cas-là, ça peut être dramatique, où vous voyez, on en reparlera ici, on peut avoir une mutation qui veut dire stop et qui va arrêter la protéine, et dans ce cas-là, c'est un effet dramatique. Donc, si on reprend, on a notre ADN, on va avoir notre ARN messager et on va venir former nos protéines. Ce qu'ils ont dit à la fin, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est que cette protéine, elle va venir reprendre ce qu'on appelle un repli. Et ça, c'est quelque chose, une conformation 3D, qui est fondamentale, puisque c'est grâce à cette conformation 3D que votre protéine pourra être fonctionnelle. Et il faut savoir que ces protéines, elles exercent tout type de fonctions dans l'organisme, que ce soit des fonctions de catalyse, c'est le cas des enzymes, on reprend... pour MLD, l'ARSA est une enzyme lysosomale, des fonctions de transport, dans le cas de l'oxygène, l'hémoglobine, de communication, toutes les hormones qu'on a au niveau de notre corps, des fonctions de reconnaissance, c'est le cas des anticorps, on en parle particulièrement en ce moment pour combattre le Covid, on a besoin d'anticorps particuliers, ou des fonctions de structure ou d'architecture. C'est le cas, par exemple, de la dystrophine, qui est une protéine, vous en avez tous déjà entendu parler, je pense, qui est atteinte dans le cas de myopathie. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une maladie génétique? On va avoir une mutation au sein de l'ADN. Cette mutation, elle va se retrouver dans l'ARN messager, puisque c'est une copie conforme de l'ADN. Et donc, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir notre protéine. Le début, ça ne change pas, notre protéine est bien. Et on arrive à l'endroit de la mutation. Ici, je vous ai mis le cas terrible. Ça engendre un codon stop. Dans ce cas-là, la protéine va s'arrêter, elle va être tronquée. Et vous imaginez bien, puisque je vous ai dit qu'une chose très importante était la conformation 3D de ces protéines, que si votre série d'acides aminés est tronquée de moitié, vous allez vous retrouver avec une protéine minuscule qui ne pourra pas avoir son repli 3D nécessaire. Et donc, souvent, dans ce cas-là, la protéine, ça va être un message d'erreur, elle va être non fonctionnelle. Et la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être dégradée par la cellule, car jugée non fonctionnelle. Mais donc, on va manquer, on ne va pas être capable de produire la protéine nécessaire. Dans les leucodystrophies qui touchent la myéline, qu'est-ce qui se passe?
Ici, je vous ai mis une image, c'est une image de microscopie électronique, une structure ultra précise, au niveau d'une coupe de nerfs sciatiques. Vous voyez ici les axones des nerfs et la myéline formée autour. Il faut imaginer, vous avez votre corps cellulaire du neurone, le long axone qui vient projeter, et la myéline autour de cet axone. Et là, si on fait une coupe comme ça, transversale, on va avoir cette structure-là. Dans le cas des leucodystrophies, on va avoir des mutations qui vont abîmer cette myéline, entraîner une démyélinisation. Et donc, si on vient regarder en ultra-microscopie la structure, vous allez voir que bah, l'axone, il est encore là, mais soit il ne va pas bien, il peut avoir des structures intracellulaires qui sont en train de dégénérer. Et donc, la conséquence va être que cette belle myéline que vous voyez ici compacte va complètement déjà se décompacter, va pouvoir dégénérer, et on va avoir petit à petit une perte de myéline et donc un axone malade qui ne va plus être en mesure de transmettre de manière précise l'information nerveuse comme c'est nécessaire. Comment on peut trouver cette mutation ? Puisque pour essayer de trouver ce qui est impacté, et notamment ça, ce que je vous explique, c'est ce qui est important quand on identifie un nouveau symptôme. La première chose qu'on va voir, un syndrome, on va voir l'effet clinique, mais on va vouloir remonter pour voir quelle mutation est en cause, quelle est la protéine impliquée. Donc, on va souvent essayer de reconstruire déjà ce qu'on appelle un arbre généalogique avec les cas malades et les connexions entre les personnes de la famille. Ce qu'on peut voir ici, la première chose, c'est dans cette maladie-là, un indice, c'est tous des garçons. Ce qui laisse supposer que sur le mode de transmission de la maladie, on pourrait avoir un syndrome lié à l'X. Il faut savoir que vous avez ici votre père, enfin votre ensemble de chromosomes du génome humain, dont les deux chromosomes dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, on a 22 paires de chromosomes, plus les deux chromosomes sexuels que sont le X et le Y. Que se passe-t-il si on a un défaut au niveau d'un des deux chromosomes sexuels ? Le papa est XY, la mère est XX. On va donc avoir 4 enfants possibles. Le X venant du papa et la maman peut donner soit son X orange foncé, soit son X orange clair. Soit le papa donne le Y, et là, toujours pareil, maman donne soit le X foncé, soit le X clair, ce qui fait 4 enfants, 4 combinaisons possibles, soit 2 filles, soit 2 garçons. Qu'est-ce qui se passe quand un individu est porteur de la mutation ? Le X, dans ce cas-là, c'est le X qui est malade, qui vient de la maman. On a une sœur aussi qui peut avoir cette même version mutée du chromosome X, et dans ce cas-là, la maman et la sœur seront ce qu'on appelle porteuses saines, c'est-à-dire qu'elles ont la mutation, c'est dans le cas d'une mutation récessive. Mais sur leur deuxième X, elles ont une version fonctionnelle du gène qui va leur permettre de ne pas développer la pathologie. Chez le garçon, ce qui va se passer, c'est qu'on a un seul X, donc on n'a pas la version fonctionnelle du gène, et on va avoir l'absence de protéines. C'est le cas notamment dans l'ALD liée à l'X, on ne va pas être capable d'exprimer le transporteur ABCDA. Et donc, dans ce cas-là, la mutation est portée par le chromosome X. Un autre cas, on a à la fois des garçons et des filles qui sont malades. On imagine, donc là, sur un chromosome autosome, on peut avoir soit le papa, soit la maman. On a toutes ces combinaisons possibles. Je ne vais pas vous refaire le détail, c'est comme avant. Si maintenant, on a un individu porteur, ça veut dire soit si c'est un cas dominant, c'est le X de la maman. Si c'est sur le X de la maman est porteuse saine, l'enfant est malade, c'est un autosome. Mais on va avoir aussi le X violet du papa qui est malade. Dans ce cas-là, les deux filles seront des porteuses saines, les parents seront tous deux des porteurs sains, mais le garçon qui possède les deux copies du gène récessif sera malade. Ici, je vous prends l'exemple, leucodystrophie métachromatique.
mutation récessive sur le gène de l'aryl sulfatase A. Le papa et la maman sont chacun porteurs des mutations. Et l'enfant qui pourra être malade, c'est le hasard, malheureusement. C'est jamais, faut jamais penser que le papa ou la maman sont responsables de quelque chose. C'est quelque chose qui se fait complètement au hasard. Au moment où les spermatozoïdes se forment chez le papa, les ovules chez la maman, il y a déjà un hasard complet. Et au moment où vont se rencontrer ovules et spermatozoïdes pour donner un des nouveaux enfants et une combinaison génétique particulière, c'est le pur hasard. Et dans ce cas-là, malheureusement, c'est le cas, ce qu'on dit, la faute à pas de chance, c'est l'enfant qui retrouve les deux versions mutées du gène. Comment va-t-on pouvoir identifier cette mutation? La première chose, on va être obligé d'aller regarder dans l'ARN. Donc, on va faire ce qu'on appelle une extraction d'ADN. Les chercheurs vont pouvoir prélever. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est simplement faire une prise de sang. On va récupérer les cellules sanguines. On va venir extraire l'ADN. On va ensuite le purifier. On va couper en plein de petits morceaux cet ADN. On va préparer ce qu'on appelle une banque d'ADN du patient. Et ensuite, on va venir faire un séquençage de la banque d'ADN. On va aller lire toutes les lignes de votre génome. Et on va aller lire cet ADN. Je vous ai mis un exemple ici, chromosome normal. Ce qui va sortir du séquenceur, c'est des lignes et des lignes de séquence avec des pics verts quand c'est un A, des pics rouges quand c'est un T, des pics noirs quand c'est un G, et des pics bleus quand c'est un C. Cas numéro 1, il y en a peut-être qui vont avoir trouvé devant leur écran, une mutation ponctuelle. À cet endroit-là, on n'a plus le G, mais on a un C. Cas numéro 2, c'est un petit peu plus compliqué. On a toute une partie du gène qui a été perdue. C'est ce qu'on appelle une délétion. Donc, même si c'est très compliqué de prédire, entre ce cas numéro 1 et ce cas numéro 2, on ne peut jamais prédire complètement l'effet d'une mutation. Généralement, une délétion reste quelque chose de beaucoup plus grave à l'échelle de la protéine que simplement un changement ponctuel. Puisque vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le code génétique, on peut imaginer que ce changement ponctuel va faire soit ça ne change pas le triplet et ça donne le même acide aminé, soit ça va donner, on va avoir un acide aminé très proche qui ne changera pas en termes de propriété physico-chimique la structure de la protéine. Alors que quand on délète complètement une partie de l'ADN, on peut imaginer plus facilement qu'on va ce qu'on appelle changer le cadre de lecture et on va plus facilement amener à un codon stop. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'expliquais. Mutation ponctuelle, on a plutôt tendance de dire qu'on aura une protéine erronée, une grande délétion, on va plutôt aller vers une protéine absente. Ensuite, si on a identifié cette mutation, comment on va être capable de comprendre la physiopathologie? La première chose qu'on peut faire, c'est une expérience, hop là, je ne l'ai pas là, une expérience in vitro, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller prélever chez les patients les fibroblastes, on fait simplement au niveau de la peau, du bras, on peut venir faire une petite biopsie. On va être capable de mettre en culture les cellules, d'extraire leur ADN, de venir extraire les protéines pour aller étudier quel est l'effet potentiel de cette mutation sur la cellule. On peut faire ce qu'on appelle des expériences in silico, c'est-à-dire qu'on a des logiciels qui sont capables de modéliser en 3D la structure de la protéine et d'étudier l'impact possible que pourra avoir la mutation, comme je vous l'ai dit, à cause des propriétés physico-chimiques des acides aminés, qu'est-ce que ça va pouvoir changer? Et bien évidemment, le dernier type, c'est faire des expériences in vivo via des modèles animaux. Qu'est-ce qu'un modèle animal peut apporter dans la recherche? D'une part, il va permettre de caractériser et de comprendre la maladie. Il va permettre éventuellement d'identifier d'autres gènes impliqués dans cette pathologie ou des effets secondaires du gène délété. Et surtout, si on a un modèle animal qui mime la pathologie, ça va être fondamental pour tester, développer des stratégies thérapeutiques
voir les faits et ensuite se dire qu'on va pouvoir avancer et amener ces approches thérapeutiques chez l'homme. Les modèles animaux, on en a toutes les tailles. Probablement, vous en avez déjà tous entendu parler. Hein. Les plus petits qui vont être le nématode ou Caenorhabditis elegans, la drosophile, le zébrafiche, les plus connus qui sont la souris et le rat, et aussi des modèles plus gros animaux qui ne sont pas forcément malades. Alors, chez les chiens, vous avez des modèles pour les myopathies, pour des maladies proches des leucodystrophies que sont les maladies de surcharge lysosomale comme les mucopolysaccharidoses. On a deux modèles spontanés chez le chien. Et plus loin en recherche préclinique, les primates non humains qui vont être utilisés de manière à modéliser dans un cerveau, dans une moelle épinière de taille plus proche de ce qu'on va pouvoir avoir soit chez un enfant, soit même chez un adulte humain, de manière à évaluer l'efficacité et la faisabilité d'une approche dans un cerveau plus gros que celui d'une souris. Et donc, comme je l'ai dit, ces modèles peuvent être soit spontanés. L'exemple de la maladie de Krabbe, il existe un chien, une souris et un singe spontané de la maladie, soit généré soit via des mutations chimiques aléatoires. Le problème, c'est que quand on fait ça, eh ben, on expose, c'est notamment fait largement chez le zébrafiche ou chez la drosophile, on expose à des composants chimiques les embryons pardon, de zébrafiche ou de drosophile. Sauf que là, il faut quand même avoir un coup de bol parce que si on veut une mutation spécifique qu'on veut étudier, quand c'est aléatoire, ça peut se produire n'importe où. Donc, ce qui maintenant est fait depuis de nombreuses années, c'est qu'on est capable d'aller modifier spécifiquement le génome d'un animal et du coup créer une mutation précise, reproduire une mutation qui a été identifiée chez le patient de manière à derrière avoir un modèle pour aller étudier l'effet de cette mutation. Ici, je vous ai mis un petit exemple. Donc, c'est des larves de zébrafiche. Donc, ça, c'est un individu sain. Ça va très vite. Je vais vous le remettre. Vous regardez, en fait, on arrive. Il y a une larve au milieu de la boîte de pétri. On va venir juste la toucher un petit coup avec une pince. Et vous voyez qu'un embryon qui n'a pas de problème va se mettre à nager tout de suite. Chez un individu malade, c'est un phénotype musculaire dans ce cas-là. Vous voyez qu'on a beau aller toucher, la larve, elle est incapable de se déplacer. Donc, pour étudier un phénotype chez l'animal, la première chose, on va regarder déjà ce qui se passe. Ensuite, on va pouvoir faire des tests morphologiques. Et le gros avantage du zébrafiche, c'est qu'on peut facilement monter la larve entre la mélamelle et aller la regarder au microscope. Ici, ce que je viens de vous montrer, on est capable de voir, au milieu, vous avez la structure nerveuse et de chaque côté, les muscles. Et là, rapidement, rien qu'en regardant comme ça, on voit qu'on a des muscles qui sont atteints. Si on va aller plus loin et on est capable d'aller marquer une protéine, là, je vous ai mis l'exemple de l'ALDP protéine qui est déficiente dans l'ALD, l'adrénoleucodystrophie. Vous voyez ici, pardon, chez l'individu sain, tous ces petits points rouges qui correspondent au marquage de l'ALD dans les peroxysomes. Et chez l'individu malade, on perd complètement l'expression de la protéine. Et ensuite, on est capable de faire des tests moléculaires, c'est-à-dire qu'on peut prendre ces différentes cellules, on peut extraire les protéines, les charger sur un gel et faire ce qu'on appelle un Western blot, venir avec un anticorps spécifique marquer nos protéines. Et vous voyez qu'on est capable, chez l'individu sain, on identifie une bande qui est la LDP et chez l'individu malade, on perd l'expression de cette protéine. Et donc, pour étudier des maladies, mais surtout développer des médicaments, on va générer des souris génétiquement modifiées. Comment comprendre un gène? Il faut imaginer que, on l'a tous fait, hein, on commande un truc qu'on est super content parce que sur le papier, c'est joli, et quand il arrive, il est en kit et on a une notice en chinois. Alors du coup, on ne va pas vraiment savoir ce qu'il faut faire. Ben, les scientifiques, des fois, quand on a juste un gène qui n'est pas connu, face à une pathologie, on peut se retrouver face à ça. Donc, on va regarder ce qui va se passer si le mode d'emploi est mal écrit. Qu'est-ce qui peut se passer s'il y a une page du mode d'emploi qu'on ne sait pas lire? Alors, soit c'est quelque chose de dramatique parce qu'on va se retrouver avec un avion, par exemple, qui n'aura pas d'aile. Ça veut dire qu'il ne va pas fonctionner. Donc, à l'image d'une protéine, elle ne pourra pas exercer son rôle.
Soit des fois, bah, quand on va regarder, tout va sembler correct. On sait qu'il manque quelque chose. On ne le sait pas forcément. Mais du coup, on peut avoir un déficit, mais on n'est pas sûr. Soit on va avoir un avion fonctionnel où il va juste manquer un siège. Dans ce cas-là, il est utilisable et fonctionnel. C'est le cas d'une mutation qui n'a pas d'impact. Soit on va avoir un avion d'extérieur parfait, une mécanique parfaite, il va voler. Par contre, à l'intérieur, il n'y a pas de siège. Ça veut dire qu'il est utilisable, mais il n'est pas fonctionnel. Dans le cas des leucodystrophies, je prends l'exemple leucodystrophie métachromatique. Donc, dans ce cas-là, c'est l'aryl sulfatase A qui, normalement, a une poche active qui va venir fixer les sulfatides et qui est capable de les cataboliser. On imagine que si, au niveau de la poche catalytique, on a eu une mutation qui fait que l'enzyme elle est capable de venir fixer le sulfatide, mais elle ne va plus avoir son activité qui va être capable de couper le sulfatide et de le dégrader. Et ben, en soi, la protéine, elle est là. Elle va être capable de fixer le sulfatide, mais elle ne va jamais être capable de le dégrader. Et donc, le résultat, c'est qu'il va s'accumuler, il va devenir toxique et on va avoir une démyélinisation. Et donc, chez la souris, pour comment comprendre comment fonctionne un gène, et ben, généralement, le plus simple pour savoir quelle est la fonction originale du gène, c'est d'enlever le gène chez la souris et de voir ce que cela produit. On va pouvoir avoir une souris qui sera viable, mais où on aura un gène non fonctionnel. C'est le cas de la plupart des maladies. Dans certains cas, on va se rendre compte que la souris est viable et tout reste fonctionnel. Dans ce cas-là, ce qui peut se passer, c'est que chez la souris ou même chez l'homme, on a une mutation, certes, mais un autre gène va être capable de prendre le dessus et de compenser le rôle du gène qui a une mutation. Soit on ne va pas avoir de différence visible, on peut avoir un gène redondant, ou alors on ne regarde pas au bon endroit, parce que je peux vous dire, hein, il y a des fois, et malheureusement, c'est aussi pour ça que c'est des fois frustrant pour les chercheurs et que ça prend longtemps. Je vais prendre un exemple, moi je travaille aussi sur l'ALS. Dans l'ALS, il y a un gène très connu qui est muté, qui s'appelle le gène C9ORF72, où depuis des années, on sait qu'il y a des mutations chez les patients qui donnent une maladie, la maladie de Charcot, hein, donc neurodégénérative terrible avec un pronostic qui est de moins de 5 ans. Et il y a des chercheurs qui, depuis des années, ont fait des chaos du gène en se disant bah, « si on fait un chaos chez la souris, on va forcément comprendre à quoi sert le gène ». Et ben, chez ces souris, il y a un phénotype immunitaire, mais elles n'ont pas le moins de phénotype neurologique. Et on ne le comprend toujours pas. Donc, on est des fois face à des mystères. Soit on va être dans le cas d'un phénotype très grave, ce qu'on appelle une létalité embryonnaire. Et il faut savoir que chez la souris et chez l'homme, pour à peu près 30% des gènes, une absence, une mutation dans ces gènes va conduire à une létalité embryonnaire. C'est peut-être que certains d'entre vous y ont été confrontés dans les familles, alors pas forcément pour les leucodystrophies, mais pour d'autres maladies. Il y a des fois des gens qui font une fausse couche, deux fausses couches. Il faut savoir que la nature reste quand même bien faite. Et souvent, quand il y a des fausses couches en début de grossesse, c'est des fois parce que ce qui se passe, c'est que dans le fœtus, il y a eu une mutation, mais qui est tellement létale, dont l'organisme sait que sans cette protéine, l'organisme ne sera jamais capable de se développer, que spontanément, on va avoir une fausse couche. Donc, c'est des fois sur des choses comme ça qu'on va avoir en conseil génétique des familles qui vont venir consulter parce qu'il y a eu plusieurs fausses couches et on va faire un séquençage génétique chez le papa, chez la maman, de manière à identifier si potentiellement, ben chez les deux, hein, ça peut arriver. Des fois, on peut ne rien avoir en commun de la même famille et tout, mais avoir malheureusement pas de chance et avoir deux mutations récessives très graves sur le même gène et que les bébés formés soient porteurs des mutations. Pourquoi finalement utiliser la souris ? Il faut savoir que la souris, c'est un modèle de la génétique de l'homme. Parce que vous allez me dire, oui, enfin, entre un homme et une souris, c'est quand même très différent. Oui, sauf qu'un petit avion, ça modélise finalement très bien ce que fait un Airbus pour être capable de voler. Ça a un moteur, ça a des ailes. Et donc, la souris, finalement, reste un bon modèle de la génétique de l'homme. Et attention, mimer reste différent de copier. Le modèle souris ne copie pas les maladies humaines. Il les mime,
On n'a pas forcément la même physiopathologie, mais en tout cas, on reproduit quelque chose qui existe chez l'homme. Et donc, on est capable, chez la souris, hein, d'avoir des explorations comportementales des fonctions sensorielles et motrices. Et donc, je vais vous montrer un exemple. Hein. On est capable, chez une souris, de faire une exploration cardiaque avec un échocardiogramme. On est capable de tester la mémoire spatiale chez des souris. On va les faire, on les met dans des piscines avec une eau opaque. On va les faire, on va leur mettre des repères sur les différents murs autour et on va regarder comment la souris nage si elle retrouve une plateforme. On est capable d'évaluer les coordinations motrices et l'équilibre sur un rotarote, par exemple. C'est une petite roue qui tourne et on vient mettre les souris. On est capable de mesurer leur activité pulmonaire en les mettant dans des cages métaboliques spécifiques qui vont analyser tous les gaz qu'elles expirent et qu'elles respirent. Et on est capable aussi d'évaluer la force musculaire. Ici, par exemple, on a un cil, on pose une souris avec ses pattes avant et naturellement, la souris en fait, va venir accrocher une de ses pattes arrière. C'est ce qu'on appelle la force musculaire, mais aussi la coordination. Et c'est un bon moyen de tester le développement de neuropathie ou d'atteinte neuro. Et souvent, j'aime bien montrer, parce que quand on dit ça, des fois, on se dit, mais ils sont horribles, les chercheurs, ils font subir plein de trucs à la souris. Mais juste, je pense que chacun d'entre vous y a déjà été confronté. On a tous déjà fait un écho, un ECG. La piscine, nous, on y va de manière spontanée, hein, ce n'est pas un souci. On fait de la coordination motrice en faisant de la gym. Pour ceux éventuellement qui sont asthmatiques, on s'est déjà retrouvé dans une espèce de boîte à analyser tous nos respirations, expirations. Et qui n'a jamais fait de traction ou de l'acrobranche. Donc finalement, ce qu'on fait aux souris, ce n'est qu'une reproduction de ce qu'on fait chez l'homme. Alors certes, un peu moins en clinique, mais pour nous, c'est un bon moyen d'évaluer toutes leurs capacités. Et donc pour revenir maintenant peut-être un peu plus aux leucodystrophies, il faut savoir que dans le cas des leucodystrophies, notamment et de toutes les maladies neurodégénératives, le cerveau, c'est un organe qui est très structuré. Dans le cerveau, on n'a pas un seul type de cellules. On a plein de cellules qui vont se mettre les unes à côté des autres. Les neurones que vous connaissez tous. Les oligodendrocytes qui vont venir former la gaine de myéline le long des neurones. Mais on a aussi des capillaires sanguins qui sont fondamentaux parce que c'est via ces capillaires sanguins que les nutriments vont arriver dans le cerveau. L'astrocyte, il va faire, lui, le pont entre les capillaires sanguins et des neurones pour amener des nutriments aux neurones. Et on a aussi les cellules microgliales. Moi, j'aime bien les appeler un peu les gendarmes puisque c'est les cellules immunitaires, c'est ce qui va surveiller que tout va bien. Mais surtout pour vous tous, vous en avez, je pense, déjà entendu parler dans ELA. Les cellules microgliales, quand on fait dans l'ALD, dans MLD, dans CRAB, des greffes de cellules souches hématopoïétiques génétiquement modifiées, de ces précurseurs de cellules souches hématopoïétiques, il y en a qui vont migrer dans le cerveau, qui vont être capables de se différencier en microglies et de venir créer une source d'enzymes au niveau du cerveau et d'avoir un effet thérapeutique. C'est ce qui a été fait dans l'ALD par l'équipe de Patrick Aubourg. C'est ce qui est fait maintenant par l'équipe, pour ceux qui étaient éventuellement dans la session MLD, c'est ce que Francesca Fumigali a présenté avec des molécules qui auront bientôt leur AMM. Et donc, je voulais juste vous dire aussi, on est capable de faire plein de choses puisque, par exemple, on sait que certaines protéines ont un rôle fondamental, mais dans certaines cellules. Et donc, on est capable de créer des lignées avec une délétion de notre gène d'intérêt spécifiquement dans certaines cellules. Pour ça, on va venir croiser des cellules avec une protéine qui s'appelle la cré recombinase, qui n'est exprimée que sous un promoteur qui est spécifique d'un type cellulaire. On va les croiser avec des souris qui vont porter la mutation sous des sites LOXP. Et ce qui va se passer, c'est que la mutation ne s'exprimera que dans les cellules d'intérêt. Et donc ça, on va être capable, par exemple, d'aller regarder l'effet d'une mutation dans les neurones, dans les astrocytes, dans la microglie. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Pour finir, je voulais vous amener un petit peu à ce qui peut se faire en termes de traitement, puisque
tant qu'on n'a pas compris quel gène est impliqué, qu'est-ce qui se passe en termes de physiopathe, ça va être compliqué d'aller développer un traitement. Une fois qu'on connaît tout ça, les traitements innovants maintenant sont des approches de thérapie génique dans lesquelles on va venir administrer un gène médicament dans l'organisme. La question principale restant comment apporter de manière efficace le gène dans les cellules. Et donc pour ça, la thérapie génique a consisté en l'utilisation de virus inactivés. Donc pour rappeler comment marche un virus. Un virus, pour se multiplier, il va venir délivrer son ADN dans une cellule hôte. Ensuite, l'ADN qui va être livré va produire plein de petits virus qui ensuite vont être délétères puisque pour être libérés dans la nature, les virus vont faire exploser la cellule. Ce qui a été fait par les chercheurs, c'est que ce virus, il a été désactivé et sert en fait un peu de cheval de Troie. On a gardé la capsule du virus, mais à l'intérieur, on a mis un gène médicament. Ce qui va se passer, c'est que quand le virus infecte la cellule, il va délivrer le gène médicament. Ensuite, la cellule va être capable d'exprimer la protéine qui était déficiente. Du coup, on va avoir une cellule soignée. Et par exemple, dans le cas des leucodystrophies, de MLD, on va passer d'une souris qui avait une leucodystrophie à une souris qui retrouve une structure de myéline complètement normale. Et donc, pour finir un petit peu sur ces approches de thérapie génique, on a par exemple 600 muscles qui représentent 40% du poids du corps et qui contribuent à toutes les fonctions vitales, bouger, manger, respirer. Et le défi que doit relever la thérapie génique, c'est de guérir, par exemple, tous ces muscles ou toutes les cellules immunitaires ou tous les neurones. Et pour vous reconstituer un petit peu le développement de la thérapie génique, ça reste quelque chose, alors on va dire assez récent, mais qui a une vingtaine d'années quand même, avec dans les années 2000, à Necker, la première approche de thérapie génique avec les enfants bulles. Ensuite, on a eu des maladies immunitaires comme le Wiskott-Aldrich, l'hémophilie, Glibera qui a été la première thérapie génique à avoir une autorisation de mise sur le marché. On a eu ensuite, entre 2011 et 2018, différentes thérapies pour des maladies de l'œil. En 2006, il y a eu le premier essai sur l'adrénoleucodystrophie qui maintenant a été repris par Bluebird Bio et qui va avoir son autorisation de mise sur le marché. L'amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire en 2017. On a l'ataxie de Friedreich qui est en bonne voie. On a maintenant Parkinson. On a la maladie de Huntington, des myopathies. Et cette année, là, c'est ce qu'a présenté tout à l'heure Francesca Fumigani, où pour MLD, on a Orchard Thérapeutique qui va avoir l'AMM pour la thérapie génique ex vivo de la leucodystrophie métachromatique. Donc, les choses avancent. Je sais, c'est souvent... Je sais bien qu'on me dit souvent que la ligne temps d'un chercheur n'est pas la même que la ligne temps d'un patient. Malheureusement, c'est sûr que partir d'une recherche fondamentale à une autorisation de mise sur le marché, c'est souvent 20 ans. Alors maintenant, il y a des choses qui s'accélèrent sur cette partie fondamentale. On a déjà identifié beaucoup de gènes. Ça va plus vite aussi avec les séquençages au débit pour les identifier. Les développements précliniques chez la souris, si on a un modèle animal, maintenant qu'on connaît certaines approches, ça peut aller un peu plus vite. Mais reste ensuite toute une partie de préclinique, et j'en parlais tout à l'heure, avec une partie de même une fois qu'on a montré qu'une thérapie marchait chez l'animal, il y a encore de longues étapes avec les études de tox, montrer surtout, il faut bien penser que quand on est sur des approches où on va aller toucher au génome, ce n'est pas comme quand on prend une aspirine, c'est-à-dire que vous prenez une aspirine, vous vous rendez compte que vous avez un effet secondaire et que vous ne le supportez pas, vous allez peut-être être mal un ou deux jours, mais vous arrêtez votre aspirine et c'est fini. Si on va amener une thérapie génique ou une thérapie cellulaire dans l'organisme, si on se rend compte qu'il y a un problème après, on ne peut pas renlever le gène. D'où le fait que le temps avant l'essai clinique soit un peu plus long parce que on veut être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire et parce que ce serait dramatique et que ça arrêterait toute cette thérapie génique.
Donc, tout ce qui est pour l'instant en clinique, c'est encourageant. Il y a des résultats, ça se multiplie. Si on regarde le nombre d'essais de thérapie génique qu'il y avait il y a 20 ans par rapport à maintenant, c'est incomparable. Et ensuite, donc, il y a cette partie de développement clinique. Dans les maladies comme les leucodystrophies, on n'a jamais de phase 1. On ne va pas aller regarder chez les volontaires sains la tolérance. Donc, c'est toujours des phases 1-2 sur un petit nombre de patients où on va regarder la tolérance et ensuite l'efficacité. Ensuite, on passe sur une étude de phase 3 sur un plus grand nombre de patients, souvent 20-25 patients, pour regarder là encore l'efficacité sur 2-3 ans. Et ensuite, on passe à la pharmacovigilance avec une centaine de patients avant qu'un médicament puisse obtenir son AM. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais approcher avec vous. Surtout, n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions, j'essaierai d'y répondre. Je ne garantis pas d'avoir les réponses à toutes les questions, mais n'hésitez pas. Est-ce qu'on a des questions? Il ne me semble pas qu'il y en ait pour l'instant dans le question-réponse. So there is no questions right now. If you'd like, you can raise your hand, but there is no. Il y a une question sur les vaccinations contre le COVID. Oui, je viens de voir qu'il y avait une question. Alors, moi, je suis pas une experte. Je pense qu'on en a discuté un petit peu tout à l'heure dans l'autre session pour MLD. Alors, je crois que c'est Dr Van der Kapp qui disait il y a potentiellement toujours des risques avec une vaccination, mais ça reste quand même, pour des patients à risque, le bénéfice du vaccin reste souvent largement supérieur au risque. Et la seule chose, c'est peut-être si c'est… alors, dans Revsum, il n'y a pas forcément un syndrome immunitaire énorme, mais anticiper avec prendre de l'aspirine dès le moment de la vaccination et pendant quelques jours de manière à ne pas risquer une réponse inflammatoire violente. Et j'aurais tendance à dire, dans ces cas-là, quand même privilégier plutôt un vaccin à ARN qu'un vaccin avec virus actif. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, plus un Pfizer ou Moderna que AstraZeneca. Après, si le médecin ne veut pas forcément vacciner, dans les centres de vaccination, dès l'instant où on est potentiellement personne à risque, je pense qu'on peut y aller sans avoir l'aval du médecin traitant. Ou alors passer, si le médecin traitant ne veut pas, passer par le neurologue. Alors, je vois une autre question d'Olivia. On serait dans une phase compte tenu des projets. Alors, après, hein, voilà, j'ai parlé de la fenêtre de temps de recherche. Après, voilà, je suis honnête, hein, il y a des fois où ça va beaucoup plus vite que 25 ans. Après, ça va dépendre des équipes qui bossent dessus, de la... facilité, il faut savoir que ce n'est pas forcément parce qu'on a identifié. Enfin, quand je l'ai présenté, ça paraît peut-être évident. On identifie le gène, on fait un modèle souris et ensuite on fait une approche thérapeutique. Alors malheureusement, il y a des fois, faire un modèle souris, c'est très compliqué. Hein. Mais je veux dire, s'il y a des recherches qui sont dessus, on peut espérer qu'avant 15 ans, il y ait des choses de faites. Marc a peut-être aussi veut peut-être répondre. Je vois qu'il veut prendre la parole. Pour l'AGS, je peux peut-être moi répondre. C'est Adeline. Ah oui. Je crois qu'il y a différentes sortes de recherches et il est vrai que les recherches qui partent à partir de modèles, de souris ou d'autres modèles, peut parfois mettre beaucoup de temps et mettre un certain temps à réaliser, disons.
Dans le cas de l'AGS, on n'a pas vraiment de modèle adéquat en partie parce que le système immunitaire des souris ou des poissons sont quand même très différents que le système immunitaire des humains. Et donc, il a été difficile jusqu'à présent de vraiment faire un bon modèle pour l'AGS au niveau de ces animaux. Et c'est pour ça qu'on est passé déjà maintenant aux thérapies et aux essais cliniques déjà maintenant. Donc, je ne pense pas du tout qu'il va falloir attendre 15 à 20 ans pour des recherches cliniques supplémentaires pour l'AGS. Je sais très bien qu'il y en a plusieurs qui sont en cours de développement. Est-ce que je peux vous poser une question, Françoise? Une famille qui a un enfant avec une leucodystrophie non diagnostiquée, à qui, en France en particulier, parce que j'imagine qu'il y a quand même pas mal de familles françaises sur cette présentation, à qui est-ce qu'ils peuvent s'adresser en France si leur médecin, leur équipe traitante principale n'a pas réussi à obtenir un diagnostic pour leur enfant? Alors, moi, je pense que le plus simple, c'est de se tourner vers le centre de référence des leucodystrophies. On a rattaché, moi, je travaille de près avec Caroline Sevin, qui est responsable de ce centre des leucodystrophies à l'hôpital Bicêtre. Et après, je pense que de toute façon, toute famille qui est en lien avec ELA peut facilement demander à l'association et être mis en contact avec des cliniciens. Mais le centre de référence est un bon point de départ. Oui. Et vous pensez qu'il y a que pour des gens habitant pas en France, alors ELA international serait une bonne... un bon endroit pour débuter des recherches. Oui, je pense que ELA International, c'est bien parce que ça permettra, selon la localisation des familles, d'être orienté soit vers les centres de dépistage et de suivi des familles locaux, soit éventuellement, enfin, je sais que nous, à Paris, Caroline reçoit des patients, même européens, hors France. Donc, ça ne pose pas de problème. Oui. Oui, et je peux dire que le United Leukemia Foundation aussi joue son même rôle de pointer les familles dans les bonnes directions aux États-Unis, parce que je ne pense pas qu'il y ait encore un chapitre américain de ELA. Et donc, je pense que vous avez raison que les groupes de patient advocates, c'est la meilleure endroit pour commencer peut-être. Okay, merci. Je vous en prie. Alors, on va, s'il n'y a plus de questions, on va conclure cette session sur les leucodystrophies non diagnostiquées et la génétique et le Zellweger spectrum et l'AGS. So we're going to conclude the session today. I want to thank again the organizers and Ela, and in particular Elise and Hélène and Guy. And as well as the audiovisual people who have supported us silently and in excellent fashion, and all the families who have attended today. Thank you very much and enjoy the rest of your Sunday. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Adam. Thank you. Merci à tous.